Hey, salut tout le monde, c'est DB9, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Information donc sur l'arrivée de futures armes ou de futures variantes d'armes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des variantes d'armes de l'AK-12, donc ou tout simplement l'arrivée de l'AK-47. Donc c'est deux choses qui peuvent arriver. Donc soit ce sera des variantes, soit ce sera tout simplement donc l'AK-47 qui fera son apparition sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. On a juste eu deux images qui ont été leakées par tout simplement Sledgehammer au moment de la présentation des DLC. Donc tout simplement, ils ont voulu leak les images du DLC des maps, et tout simplement en même moment ils en ont profité pour laisser des petits easter eggs sur la venue des nouvelles armes ou variantes qu'ils allaient mettre. Et tout simplement, ils ont dévoilé des variantes d'AK-12 ou tout simplement l'arrivée de l'AK-47. Pourquoi cela? Car regardez tout simplement la première image. Sur le toit d'un bâtiment, on voit un joueur portant une arme à la main avec un chargeur en arc de cercle, mais quand même assez long. Il ne correspond en aucun cas à une arme qu'on a déjà sur Call of Duty Advanced Warfare, car tout simplement, regardez bien le bout de l'arme, le viseur se trouve sur, je ne sais pas comment appeler ça, on peut appeler ça le canon, je crois que ça s'appelle, de l'arme, donc c'est-à-dire le bout de l'arme. Donc tout simplement, aucune variante de l'AK-12 actuelle ne possède cette chose, si ce n'est l'AK-12G, donc l'AK-12 Ghost qui était avec l'édition Arsenal spéciale au moment de la précommande du jeu. C'est la seule version qui possède un viseur sur le canon. Et sinon, ce serait donc l'arrivée de l'AK-47, donc dans Advanced Warfare. Donc je pense que ce serait vraiment une super nouvelle, car l'AK-47 est quand même une arme mythique de la série Call of Duty. Elle a été reprise à beaucoup de sources, comme dans Black Ops 2 avec un peu un remake avec l'AN-94, qui était aussi une très bonne arme. Donc voilà, donc je pense que ça pourrait faire plaisir à énormément de joueurs. Et comme vous pouvez voir sur la deuxième image, on a une image un peu plus proche, on voit bien que le viseur est sur le canon et que ce n'est aucune arme et que ce n'est pas la AK-12G, car tout simplement l'arme est en or normalement et celle-ci n'est pas en or. Après, on pourrait dire qu'elle a un camo, mais on voit clairement que cette arme ne possède aucun camo. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et sur ce, à plus tout le monde.